Bienvenue dans Geist 2 de FXpansion. Alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveautés hein, dans Geist 2 par rapport à la version 1. Alors, ceux qui avaient déjà la version 1 et qui ont pu voir mon tutoriel sur Geist, eh bien, vous allez retrouver certaines choses semblables, voire identiques, et puis quand même beaucoup, beaucoup de choses qui ont été réarrangées, modernisées, on va dire. Ce qui permet d'avoir ce qu'on appelle un workflow, c'est-à-dire une façon de travailler, si vous voulez, plus moderne, plus intuitive, plus dynamique. Si vous aviez Geist 1, vous allez retrouver vos marques, mais en même temps, il y a toutes les nouveautés plus une réorganisation. Si vous n'aviez jamais utilisé Geist version 1, et bien là, dans la version 2, vous allez tout découvrir grâce à nos tutoriels. La première chose à faire, c'est d'aller dans le menu Geist 2 tout en haut, dans les préférences, et ouvrir les préférences audio. Donc là, vous pouvez définir le sample rate, tout dépend de votre carte son, hein. Vous voyez qu'on peut aller jusqu'à 96 kHz. On va garder 4400 qui est la valeur par défaut et la qualité CD. On a les buffer size, donc ça a un rapport avec la latence. Vous pouvez baisser le nombre, ce qui vous permettra d'avoir une faible latence, mais qui engendrera des ressources CPU d'ordinateur plus vives, on va dire. Donc si vous avez une machine moderne et super bien équipée, vous pouvez descendre en buffer size. Au contraire, vous pouvez augmenter si vous constatez des grésillements, etc. Alors moi, je vais aller à 256. Important ici, vous avez l'entrée audio, donc de votre carte son. Moi, par exemple, c'est mon Apollo. Et vous avez ici la sortie. Donc là, pareil, vous pouvez choisir votre carte son externe, si vous en avez une, ou la carte son interne de votre ordinateur. Alors, sur Mac, hein, c'est Core Audio Multi-Output, et c'est ceci que je vais choisir moi pour le besoin du tutoriel. Et ensuite, eh bien, on peut ajouter différentes entrées. Donc là, cela dépendra effectivement des entrées, du nombre d'entrées de votre carte son. Et les sorties. Là également, si vous avez plusieurs sorties sur votre carte son, vous allez pouvoir les ajouter. Une fois que vous avez fait ce réglage, vous pouvez faire close et vous avez normalement du son. Deuxièmement, toujours dans préférences, on va aller dans les préférences MIDI. Et là, eh bien, sera listé tous vos appareils MIDI, alors contrôleur MIDI, clavier maître MIDI, et vous allez cocher ici pour faire dans la rubrique Enable. Par exemple, je vais utiliser mon clavier maître MIDI ici. Et en sortie, vous pouvez également choisir différents appareils. Mais c'est surtout au niveau des entrées que c'est important. Hein. Alors, on verra plus tard à quoi sert le sync to clock, par exemple. Une fois que vous avez fait ces réglages, vous pouvez faire close. Donc là, vous devriez avoir du son. Alors, pour le vérifier, hein, rapidement, on peut aller, par exemple, dans la Geist 2 Factory, la librairie d'usine fournie avec Geist 2. On va aller dans les hits, ici, dans les kicks. Et là, vous avez des samples. Donc, si je clique dessus, on a du son. Alors, si vous n'avez pas de son, soit vous n'avez pas l'auto-preview d'activer, donc il faut cliquer sur Play ici. Soit vous pouvez l'activer, ça on va le voir après. Et si vous n'avez pas de son, ben, c'est qu'il y a un problème dans les préférences audio. Alors, pour vérifier le MIDI, pareil, vous pouvez activer l'auto-load quand on clique sur un sample, donc il va se charger directement ici sur un pad. Et si je joue sur un pad, sur mon contrôleur MIDI ou mon clavier maître MIDI, vous voyez, cela fonctionne. Donc là, on a vérifié l'audio et le MIDI. Alors ensuite, il faut savoir que l'interface a été complètement remaniée et elle est, si vous voulez, devenue vectorielle. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que toutes les fenêtres vont être redimensionnables et adapté donc à votre écran, hein, bien sûr, toute la fenêtre également, on peut la redimensionner, l'avoir en plein écran, adapté aux écrans Retina et aux écrans 4K,
Ça, c'est important quand même de nos jours, on va dire. OK, donc on reparlera de toute façon de tous les éléments de l'interface. Dans ces tutoriels, on va explorer les fonctionnalités et elles sont vraiment très très nombreuses. On va faire des applications concrètes également, mais on va aussi voir un petit peu le ou les concepts de Geist 2 par rapport à d'autres logiciels, donc bien comprendre les concepts qui permettent de créer de la musique. La première chose dont je voudrais vous parler, c'est le browser, parce que c'est à la base ici que tout se passe. Alors vous voyez qu'on peut l'agrandir comme ceci et comme ceci. Donc on peut l'avoir bien plus large et on peut là également redimensionner. Alors dans cette fenêtre, on a deux onglets. On a le browser et le transmode. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est le browser. Alors, qu'avons-nous ? On a différents onglets. L'onglet Content, ici, si on l'ouvre, eh bien, vous allez découvrir les librairies. Alors, celle fournie avec Geist 2, c'est la Geist 2 Factory. Vous voyez, moi, j'ai également importé la Factory de Geist 1. Et puis, j'ai des librairies additionnelles. Alors, quand vous achetez Geist 2, vous avez deux packs de sons, deux librairies offertes gratuitement. Donc, moi, j'ai choisi la Vintage Drumbox, ici, et la Gold Baby synthétique. Et bien sûr, j'avais avant celle-ci pour Geist, Loopmaster, une librairie gratuite, ici, et puis j'avais la classique hip-hop. Alors, où se situent ces librairies sur votre ordinateur ? Eh bien, on peut faire un clic droit et faire « Reveal Geist 2 Factory in Finder ». Alors ça, c'est quand on est sur Mac. Et donc, sur Mac, ça se situe dans votre disque dur système, utilisateur, votre nom, document, fexpansion, Geist 2, content. Donc, si je vais dans « Content », vous voyez, j'ai mes différentes librairies. Alors, il y a quand même de quoi faire. Hein. Vous voyez, dans la Geist 2 Factory, on a 839 mégas. Dans la Geist, on a 262 gigas. Puis les banques additionnelles font encore plusieurs mégas ici. Donc ça, c'est l'onglet Content. Ensuite, on a Places. Donc là, c'est des emplacements, on va dire, stratégiques. On retrouve le dossier Geist 2. Et on a les documents de votre ordinateur et on a le bureau. Ensuite, on a Drive. Donc là, cela répertorie eh bien, vos disques durs. Alors vous voyez que j'en ai pas mal, notamment samples, presets. Et je vais pouvoir accéder à mes samples, par exemple. On a un dossier favorite, donc vous voyez pour l'instant il est vide. Un onglet search, vous voyez qu'il est vide. Et un onglet shortlist, vous voyez que pour l'instant il est vide. Nous verrons un petit peu plus tard à quoi servent ces dossiers. Donc voici la nomenclature, je dirais, du browser. On a le content, places, drive et puis trois autres dossiers. Alors si je vais dans la Geist 2 Factory, je la sélectionne ici à gauche. Vous voyez que je rentre dans le dossier et là j'ai des sous-dossiers, hits, loops et presets. Alors dans les presets, on a le choix entre full preset et kit. Quelle est la différence ? Dans full preset, on va avoir les presets fournis avec Geist 2 et c'est, je dirais, la plus grosse entité dans Geist 2. Un preset, il contient tout. Il contient les samples, bien sûr, mais il contient les réglages au niveau du mixeur, il contient les patterns, il contient les pads mixeur, le global mixeur, les scènes, le mode song, le mode de pattern, les engines que l'on retrouve en haut ici, vraiment on retrouve tout, hein, le mapping, etc., etc., les modulations, les effets, on retrouve vraiment tout. Donc pour charger un preset, eh bien, vous voyez, je le sélectionne ici.
Donc là, il me dit si je voulais sauvegarder ce que j'avais ouvert avant, je vais dire non. Là, le preset se charge et on peut le lire ici avec Play. Alors je vais baisser le volume général ici. Et là, comme je vous disais, hein, on a vraiment tout. C'est-à-dire qu'on a tous nos pads. On a nos patterns. On peut... zoomer pour vous montrer. On a dans le mixeur le layer mixeur, on a les pads mixeur, le mixeur global, les différentes scènes que l'on peut lancer et le mode song. Ok, donc je le répète, les full presets, ce sont vraiment les presets complets qui chargent la totalité de ce que vous avez. Ok, alors pendant que j'y suis, parlons de la navigation dans ce browser. Vous voyez qu'on a des petites flèches ici, donc on peut descendre, voyez, et remonter. Mais moi, je trouve beaucoup plus simple d'utiliser les flèches de son ordinateur, bas et haut, pour naviguer. Ensuite, on a ici cette flèche qui permet de revenir eh bien, au dossier parent, au dossier précédent. Donc, vous voyez, je clique comme ceci. Je reviens dans mes full presets. Et je peux faire la même chose avec ma flèche gauche de mon ordinateur. Donc là, je navigue. Pour rentrer dans un dossier, je fais Enter sur mon clavier d'ordinateur. Et là, je rentre dans mon dossier. Flèche gauche, je sors. Hop, je passe dans mes kits. Je navigue dans mes dossiers, entrée, et avec mes flèches. Donc ça, c'est pour la navigation plutôt que d'utiliser ces icônes. Ok, donc alors ensuite, dans notre dossier, donc on était dans les presets, on a un dossier kit. Donc là, les kits, si vous voulez, c'est une entité en dessous du preset. Et on va avoir différents types de kits. Alors prenons un drum kit, par exemple. Et si je charge le Big Room 1 en double-cliquant, eh bien là, j'ai... Voilà, je déclenche mes pads avec mon clavier maître MIDI qui comporte des pads. Donc là, mon kit, si vous voulez, ce sont les sons attribués aux pads. Avec les réglages par son, mais vous voyez, on n'a pas, si je mets play, on n'a pas de pattern, on n'a pas de song, c'est vraiment le kit, on va dire, brut. Voilà. Donc je peux venir charger un autre kit, hein, si je souhaite celui-ci, entrée. Deuxième banque. Ok, on va revenir en arrière. On a vu les presets, on a vu les kits. Donc ensuite, on a deux autres dossiers, hits et loops. Alors dans hits, qu'est-ce que l'on a? On a des sous-dossiers encore une fois, et si je prends les kicks, eh bien on a ce coup-ci des samples, des fichiers wave, tout simple. Et on peut naviguer comme ceci. Alors, vous voyez que quand je navigue, cela me fait une pré-écoute directe du sample. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai activé ici le preview, la pré-écoute. Si je désactive, là je peux naviguer dans mes samples, mais sans avoir la pré-écoute. Alors ça, c'est un intérêt, hein. Si vous êtes en live, eh bien vous allez pouvoir accéder directement à vos samples sans que le public ait la pré-écoute. Mais je dirais, dans une recherche traditionnelle en home studio, on va avoir tendance à activer la pré-écoute, eh bien, pour avoir une idée de ce que l'on veut charger. Si on n'active pas la pré-écoute, on peut néanmoins écouter un sample en appuyant ici sur Play. Et on a ici le volume de pré-écoute. Donc,
qui est valable également ici. Si vous ne voulez pas écouter trop fort vos samples, hop, je passe sur un autre dossier, je vais dans mes hi-hats. Hop, je reviens dans mes kicks. Toujours avec mes flèches d'ordinateur. Alors également, vous voyez que j'ai ici un bouton Auto Allocate File When Click in Browser. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que quand je choisis un sample, il est automatiquement chargé sur un pad. Donc là, vous voyez, sur celui-ci. Si je change de sample, vous voyez qu'il se charge sur ce pad-là. Donc ça, c'est une fonction qu'on peut activer ou désactiver. Si je désactive, je peux naviguer, mais il n'est pas chargé sur ce pad. Mais ça peut servir également si je veux glisser ce sample sur un autre pad. Ou alors, bien sûr, je peux activer la fonction, mais choisir un pad ici, et mon sample préécouté sera directement chargé sur le pad sélectionné à l'avance. Donc ça, c'est une fonction que vous pouvez activer ou pas. Ok, on va revenir en arrière. On a ensuite un autre dossier qui s'appelle Loops, donc qui contient des boucles. Alors, de drums et de non-drums, on va aller dans les drums. Et là, ce sont des fichiers REX, des boucles. Donc, si je clique dessus, vous voyez que j'ai une boucle. Et alors, avec l'auto-preview, on la préécoute. Et avec l'auto-load, eh bien, cette boucle est chargée sur le pad sélectionné. Donc là, toute la boucle est chargée sur le pad, mais sur mes autres pads, je conserve mes samples one shot, on va dire. Maintenant, je vais pouvoir dire, eh bien, cette boucle, je voudrais qu'elle se slice, qu'elle se découpe sur mes pads. Donc pour ce faire, il faut activer l'option ici slice. Donc ça va me slicer ma boucle, vous voyez. Je vais avoir un slice par pad. Et ça peut se faire automatiquement si je laisse sélectionner que je sélectionne une autre boucle. Par exemple, celle-ci. Hop. Donc là, j'ai ma boucle entière, mais elle est slicée, découpée sur mes pads. Alors bien sûr, après, on va pouvoir travailler sur nos slices, on verra plus tard. Donc ça, c'est une option qu'on peut choisir d'activer à l'avance ou pas, comme pour l'autoload. Voici donc, si vous voulez, la nomenclature du browser. Alors c'est valable pour la factory de Guest 2, mais si je prends par exemple ma Gold Baby synthétique, eh bien je vais retrouver là également des presets, avec des full presets, que je peux charger. Ah, donc là, j'ai la totale. Donc là, j'ai la totale, le pattern, la song, les scènes, le global mixer, pad mixer, etc. Ça, on l'a vu. Et je retrouve les kits. Donc, si je veux un kit de drums, ici, ce kit-là, hop, je le charge. Puis finalement, non, je veux celui-ci. Puis finalement, non, je veux celui-ci. On retrouve également des loops, des boucles. Et on retrouve des hits, des samples one-shot. Si je veux des percus, hop, conga. Donc vous voyez, ça suit la même, on va dire, la même nomenclature pour tous les contents, pour toutes les librairies. Alors effectivement, avec toute la factory plus les autres banques, ce
On a le choix entre beaucoup de presets, beaucoup de samples one shot, de hits, beaucoup de boucles. Et du coup, on va pouvoir se créer des shortlists que l'on trouve ici. Alors, par exemple, je vous montre. Je vais dans les hits ici, kick, je préécoute. Celui-ci me plaît bien. Eh bien, je vais faire un clic droit. Et je vais faire add le sample à une shortlist. Alors, je n'ai pas encore de shortlist créée, donc je vais faire add to new shortlist. Et je vais renommer cette shortlist kick. Dites guitare. Et maintenant, dans ma shortlist, eh bien, j'ai ce sample. Alors, je reviens dans ma Geist 2, ici, dans les kicks. Hop, celui-ci me plaît également. Je fais un clic droit et je fais Add. Et je vais l'ajouter à ma shortlist ici. Puis celui-ci. Mais ce qui est intéressant, eh bien, c'est que je vais pouvoir aller dans d'autres librairies. Prendre celui-ci et l'ajouter à ma shortlist. Celui-ci. Voilà, une autre banque. Ici. Je vais l'ajouter. Etc. etc. Vous avez compris le principe. Et maintenant, ce qui est avantageux, c'est que quand je vais dans ma shortlist Kick Dit Guitar, eh bien, j'ai mes samples. Et je vais pouvoir comme ça me constituer plein de shortlists avec tous les samples que j'aime, que je préfère. Ok, je vais revenir dans ma Guest 2 Factory, dans les hits et par exemple le dossier Hi-Hat ici. Donc je le sélectionne, je fais un clic droit et je fais Add Hi-Hat to Favorite. Et bien là, dans mes favoris, directement j'ai accès à mon dossier de Hi-Hat. Et comme ceci, classique hip-hop, hit, je voudrais les claps, je vais les ajouter aux favoris. Et là, je retrouve mon dossier de clap, mon dossier de hi-hat. Donc vous voyez qu'entre les favoris et entre les shortlists, eh bien, on peut vraiment se reconfigurer un browser personnalisé et vraiment accéder comme ça aussi à du contenu très rapidement. Alors, on peut créer une shortlist depuis la sélection. Ça peut être intéressant. Je vais par exemple ici, hop, hi-hat. Donc, je sélectionne avec commande différents hi-hat que j'aurais pris soin de pré-écouter avant. Donc, ils sont sélectionnés. Je vais ici et je fais New Shortlist from Selection et je vais mettre Hi-Hat guitare. Et là, dans mes Hi-Hat, eh bien, je retrouve ma sélection de samples. On a également la pré-écoute, donc la sortie de pré-écoute qui est par défaut sur master, mais pareil, si vous avez une carte son avec plusieurs sorties, vous pouvez rediriger la pré-écoute, eh bien, par exemple sur une sortie indépendante casque et non pas sur la sortie master. Là encore, en live, cela peut être judicieux de faire cela. Alors, on a ensuite lock ou unlock all pad et pattern, ça on en reparlera plus tard, ainsi que le pad track browser location. Alors, ce que je peux faire, hein, c'est aller dans mes disques durs, sample. J'ai mon dossier ici. Donc, je vais y revenir. Je le sélectionne. Je fais clic droit. Et je fais Add Current Folder to Favorite. Et là, maintenant, j'ai plus besoin de naviguer. Je vais directement dans mes favoris et j'ai mon dossier de sample. Alors effectivement, j'ai choisi ici le disque dur, enfin où j'ai aussi des presets et la librairie de BFD3. Mais voilà, si je vais dans Sample, je peux faire Add Current Folder to Favorite. Et là, j'ai vraiment mon dossier sample avec tous mes samples. Donc là, je peux
venir ici et supprimer ce dossier. Geist 2 dispose également d'un onglet de recherche plutôt complet et surtout, eh bien, c'est primordial parce que parmi les nombreuses librairies, même vos propres librairies, des fois il peut être un petit peu difficile. Donc on a un onglet de recherche ici, alors je vais cocher les deux premières solutions et puis dans mon onglet de recherche, je vais taper 808. Je fais entrer. Alors là, vous voyez, j'ai une petite ligne bleue qui me dit que la recherche s'effectue. Alors, c'est plus ou moins long, je dirais, suivant le type de recherche et puis surtout suivant la librairie choisie. Là, j'ai choisi de chercher vraiment dans toute la factory Geist 2. Là, j'ai cherché dans toute la factory de Geist 2 et j'ai tous les résultats avec le 808. Non. Alors sachez que l'on peut affiner ses recherches grâce à l'Advanced Search où on va pouvoir eh bien choisir par nom, alors qui contient ou qui débute ou qui finit par ou est, etc. Et en deuxième caractéristique, eh bien on peut choisir le type, par exemple audio, MIDI pattern, guest file, folder, et puis on pourrait encore affiner en déterminant la taille, plus grand que, plus petit que et définir une taille ici, donc on peut effectuer des recherches complètes. Pour supprimer une recherche, eh bien c'est tout simple, on clique ici sur la croix. Nous l'avons vu, la fenêtre est redimensionnable comme ceci et comme ceci, mais on peut à tout moment, eh bien en faisant un double clic ici, vous voyez, cacher le mode de pad, et venir la rétablir, donc plutôt que de faire ce geste, si on souhaite complètement le replier, hop. Et de la même façon, on va pouvoir cacher le browser en double-cliquant ici. Si on n'en a plus besoin et qu'on souhaite travailler en pleine fenêtre comme ceci, ça peut être agréable, et à tout moment, on double-clique et la fenêtre revient. Autre chose, vous voyez ici, on a quand on fait une recherche dans un dossier, on a Name, on peut cliquer droit et on a View, donc on peut avoir en visuel eh bien, les fichiers audio, les presets, les fichiers engine, les kits, pads, patterns, pattern bank, etc. Donc voir tout. Ou si je veux voir eh bien, uniquement, par exemple, les fichiers audio, eh bien, je vais désélectionner tout le reste. Alors je vais garder quand même les dossiers. Et là, quand je rentre dans des dossiers, je ne vois vraiment que les fichiers audio, c'est-à-dire les samples. Je n'ai rien d'autre. À tout moment, on peut refaire un clic droit et faire View All pour tout voir. On peut également avoir un Sort By Name et de façon en descente et de façon, je dirais, de haut en bas ou de bas en haut. Donc ça, on peut aussi le faire, vous voyez, en cliquant ici. Alors, au niveau des colonnes, on peut avoir le type et la taille. Donc, si je tape sur le type, vous voyez que ça me rajoute une colonne avec, eh bien, là, ce sont des dossiers. Mais là, vous voyez, on a les renseignements, ce sont des waves. Si je vais, par exemple, dans des boucles, eh bien, ici, j'ai des fichiers Rax2, etc., etc. Et je pourrais rajouter une troisième colonne qui est par taille également. Je peux avoir les tailles ici. Hop, dans les presets. Là, j'ai des dossiers. Dossiers de sample. Des waves. La taille. Pourquoi pas de la plus petite à la plus grande. Donc ça, ça peut aussi être assez pratique. Et alors, nous l'avons vu, hein, mais avec un clic droit, on peut faire remove la librairie, voir où elle se trouve. Et on peut également mettre des couleurs. Alors ça, je trouve ça assez sympathique. Par exemple, hop, pour ma Geist 2 Factory, ici, et puis pour mon Vintage Drumbox, je vais mettre cette couleur-là. Et puis pour le Classic Hip Hop, celle-ci. La Geist Factory, comme ceci, etc. Donc avec des codes couleurs, ça peut être intéressant. Alors vous voyez, le problème, c'est qu'avec certaines couleurs, on ne voit plus le titre
de la librairie, donc c'est ça, c'est un peu dommage. Voilà, prendre des couleurs plus claires, et vous pouvez même hein, mettre des couleurs sur vos shortlists, par exemple. Kick. Moi, j'ai l'habitude de les mettre en rouge. Snare, plutôt en orange. Et hi-hat, plutôt en jaune. Voilà, donc on peut avoir comme ceci des codes couleurs qui peuvent s'avérer pratiques. Et on l'a vu également, on peut faire un clic droit pour tout sélectionner, pour supprimer toutes les informations de slice, pour voir où il se situe dans le Finder, ajouter à une shortlist et faire un remove d'une shortlist. Voilà, vous savez à peu près tout sur le browser de Geist 2. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la deuxième partie du tutoriel sur Geist 2 de chez FXpansion. Dans la première partie, on a vu les réglages audio et MIDI, plus le browser et toutes ses fonctionnalités. Nous allons maintenant débuter cette deuxième partie avec le Slicer. Comme nous l'avons vu dans la partie 1 au niveau du browser, on a deux options importantes, l'autoload et le slice. Alors l'autoload, hein, je vous rappelle, quand on clique sur un sample ou une boucle, si j'ai l'autoload, il se charge sur le pad sélectionné. Si en plus j'ai le slice d'activé, eh bien Geist 2 va automatiquement me découper, me slicer ma boucle, si c'est une boucle, en plusieurs petites portions, plusieurs slices. Alors on va prendre une boucle, celle-ci. Donc là vous voyez, j'ai l'autoload et le slice. Ici, ce sont des types de fichiers REX 2, donc qui sont fournis dans la factory de Geist 2, dans les loops, ici, drum. Et avec l'autoload d'activé, eh bien, je retrouve chacun de mes slices disponibles sur chacun des pads ici. Et si ma boucle est découpée et slicée en plus que 16 portions, et qui correspond aux 16 pads, eh bien, j'ai la suite ici sur la banque B de pads, voire sur la banque C, voire sur la banque D. Alors bien sûr, il y aura certains slices qui feront que 16 pads, ou que 8, ou que 12, que sais-je. Cela dépend du découpage du slicing. Donc ça, c'est pour, si vous voulez, l'autoload. Le slice automatique donc me découpe ma boucle en slices que l'on retrouve ici. Et par défaut, on voit que mes slices sont verrouillés avec ce petit cadenas ici. Alors ces slices, je peux les pré-écouter. En faisant un clic droit sur chacun des slices, voyez, pour voir si Geist 2 m'a fait un découpage, un slicing automatique, bien qui est cohérent. Et là, effectivement, vous voyez que nos slices correspondent aux transientes de notre fichier. On le voit sur la forme d'onde. Hein. Alors, on peut zoomer avec le plus ici. Et comme je vous le disais, on voit bien les slices. On peut dézoomer. Donc là, vous voyez qu'on a le point de fin. Donc je vais pouvoir zoomer sur une partie. Et là, le point de départ. Donc on peut aussi zoomer comme ceci. Comme je vous disais, on a le point de départ ici de lecture de notre boucle. Donc, par défaut, c'est sur le 1-1, premier temps, première mesure.
sur la timeline ici. Alors là, vous voyez que ma timeline, c'est 1-1, 1-2, 1-3, 1-4. C'est, je dirais, en valeur musicale. Donc, première mesure, premier temps. Première mesure, deuxième temps. Première mesure, troisième temps. Première mesure, quatrième temps. Puis, deuxième mesure, premier temps, etc. Alors, on peut faire un clic droit et passer cette timeline en temps, en valeur de temps. Donc, moi, c'est vrai que je préfère travailler quand même en valeur de bits, ici. Donc là, on voit clairement. Donc, comme je vous le disais, on peut très bien changer le point de départ. Si je mets play, ici, vous voyez que mon play se lance ici, mais si je voulais démarrer d'ici, je peux très bien. Et on va avoir, bien sûr, la même chose avec le point de fin. Si je veux uniquement eh bien, mes deux premières mesures, je vais placer mon point de fin ici et là. Alors vous voyez que ça tourne en boucle parce que j'ai ce bouton ici de boucle. Donc je vais replacer mon point de fin à la fin. Alors, en plus des slices, vous voyez qu'on a ici en dessous le mode pattern. Et effectivement, chaque petite barre ici correspond au lancement, on va dire MIDI, de chacun de mes slices. Ça, c'est le deuxième, etc., etc. Alors, qu'est-ce que l'on a ici en haut à gauche? Eh bien, on a le plus... Quand il est sélectionné, eh bien, c'est l'outil d'insertion de slice. C'est, si je veux rajouter un slice, eh bien, je me place où je souhaite, par exemple ici, et je clique gauche. Ça me rajoute un slice. Inversement, avec le moins ici, eh bien, je vais pouvoir sélectionner un slice et toujours avec le clic gauche, hop, ça supprime le slice. Alors bien sûr, on peut rajouter autant de slices que l'on souhaite et on peut supprimer autant de slices que l'on souhaite également. Alors, on peut supprimer des slices que l'on n'a pas ajoutés précédemment. Vous voyez, se créer par défaut, on peut ici. On a toujours notre fonction ici, undo, qui permet d'annuler les opérations que l'on vient de faire. Voilà, par exemple. Ici, on a un outil de verrouillage de slice, le lock slice. Donc, on clique. Vous voyez que là, j'ai déverrouillé. Donc, c'est un petit triangle et je peux verrouiller avec le cadenas. Ensuite, on a cette icône de flèche qui va permettre de faire un drag and drop de slice sur les pads. Mais vous voyez que quand je clique dessus, je n'y ai pas accès. Alors, pourquoi? Parce que pour utiliser ce mode de drag and drop, il faut obligatoirement que l'autoload ne soit pas activé dans le browser. Donc, admettons, je resélectionne la même boucle, mais sans l'autoload. Et bien maintenant, je vais utiliser ce drag and drop. Et bien maintenant, je vais sélectionner un pad. Donc pas obligatoirement le premier, hein, ouais, je vais choisir le deuxième. Et pas obligatoirement le premier slide, je vais prendre celui-ci. Voilà, et on vient le glisser déposer sur le pad en question. Je choisis un autre pad. Et je viens le glisser déposer sur mon pad. Donc là, vous l'aurez compris, on peut manuellement se créer des banques ici avec les slices personnalisés, contrairement au mode autoload, au mode automatique qui lui va me mapper automatiquement mes slices dans l'ordre chronologique de gauche à droite. Pour vous montrer la fonction transiente et sensitivity, je vais utiliser une boucle wave, donc qui n'est pas en point rex. Je vais choisir celle-ci. Donc là, vous voyez que j'ai l'autoload et le slice d'activer. Cela m'a découpé en slice. Et en mode transient, je vais pouvoir régler ici la sensibilité de mes slices, c'est-à-dire le nombre, si vous voulez, de découpage de slices. Si je réduis, vous voyez, j'ai de moins en moins de slices. Si je souhaite avoir très peu de slices, et vous l'aurez compris, au contraire, si j'augmente la sensibilité,
eh bien, je vais avoir de plus en plus de slices. Par exemple. Donc, je dirais que Geist 2 fait le travail automatiquement, mais vous, vous pouvez agir manuellement pour ajouter ou enlever des slices, encore une fois, de façon automatique grâce à l'algorithme de Geist 2. Nous avons un autre mode de détection qui est le mode Divide, qui va diviser votre boucle en un certain nombre de slices et qui est ici dans Division. Donc là, j'ai 16 slices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Si je veux uniquement 8 slices, eh bien, voyez. Alors, ça va être des slices de même longueur. Au contraire, je peux passer à plus de slices, admettons 32. Là, vous voyez que Geist 2 m'a automatiquement trouvé le tempo, 160, et le nombre de mesures. Mais je pourrais décocher automatique ici et changer le BPM, donc 160, allez, mettons 80. Et j'ai ici 4 mesures. Si je souhaite avoir que 2 mesures, eh bien je double-clique et je rentre la valeur 2. Donc vous voyez que ça change mon pattern ici, hein, je vous remontre, si je passe à 4, hop, c'est plus pareil. Alors bien sûr, si je me place à mon tempo général à 160, eh bien là je vais avoir une lecture conforme à la boucle. Plus vous vous éloignez du tempo original, on va dire, de la boucle, et plus vous avez quand même une détérioration. Donc si je passe à 200. Donc je peux ici essayer de passer à 200. Et pareil, je suis à 4 mesures, si je veux passer à 2 mesures. Et oui, c'est lu 2 fois plus vite, vu qu'il y a 2 fois moins de mesures. Au contraire, si je passe à 8 mesures. Eh bien, c'est lu 2 fois plus lentement. Donc tout ça pour vous dire que vous pouvez agir sur le BPM et sur le nombre de mesures, et même, je ne l'ai pas fait, hein, mais sur le nombre de temps. La plupart du temps, quand même, avec le mode automatique, c'est ce qui est plus performant, on va dire. Surtout pour des boucles de drums de batterie. Ok, donc là, au niveau de mes pads, hein, si je choisis 16, eh bien, j'ai un pad déclenche un slice dans l'ordre de gauche à droite, et sur ma banque B, ben, je n'ai plus rien. Alors j'ai quand même le nom parce que tout à l'heure j'étais à une résolution plus fine, mais comme on le disait, si je passe de 16 à 32, eh bien j'ai ma banque A avec mes 16 premiers slices et ma banque B avec mes 16 slices suivants. Alors je vais revenir à 16. Et je vais activer ici le Use Layer. Donc j'active ça. Mais si je passe aller à 128 slices, eh bien là, regardez ce qu'il se passe. Sur chacun de mes pads, j'ai 2 petits carrés. Ça veut dire que ce pad déclenche 2 layers, 2 couches de slices. Celui-ci aussi.
Donc ça, on verra, ça peut avoir une utilisation particulière. Sachez que c'est possible avec le Use Layers ici. Et au contraire, je peux désélectionner ceci et revenir à 16. Là, j'ai plus que un sample, un slice par pad. Et ça, c'est valable aussi bien en mode divide qu'en mode transiente. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire d'autre ? Eh bien, bien sûr, on peut déplacer un slice, simplement comme ceci. On peut supprimer un slice, soit avec l'outil moins ici, hop, hop, soit en faisant clic droit, et on a, vous voyez, delete slice. On peut faire un delete all slice. Donc là, je n'ai plus du tout de slice, et je vais pouvoir... Et je vais pouvoir, pourquoi pas, les créer manuellement, hein, si je souhaite vraiment... Ça qui est intéressant. Je peux choisir, et alors bien sûr, vous pouvez zoomer pour un travail plus précis, mais je dirais, il y a le mode automatique qui est très bien, et vous avez également ce mode manuel qui est également très bien. Et là, j'obtiens des slices que j'ai souhaités. Alors, on peut aussi faire un clic droit pour supprimer tous les slices. Même ceux qui sont verrouillés. Donc, par exemple, si je fais lock all slice, donc j'ai tous mes slices verrouillés, j'en crée un autre je n'ai pas verrouillé. Eh bien, je vais pouvoir dire je veux supprimer tous les slices ou supprimer tous les slices inclus les slices qui sont verrouillés. Donc, si je fais all slice, j'ai que mon slice qui n'était pas verrouillé qui disparaît. Faire undo. Alors, si je déverrouille d'autres slices, hein, vous voyez, hop, je vais supprimer uniquement ces deux slices parce qu'ils n'étaient pas verrouillés. Maintenant, si je choisis Delete All Slice inclut les slices verrouillés, bien là que ça me supprime vraiment tous mes slices. Vous l'aurez donc compris, donc l'intérêt d'avoir des slices et de les verrouiller, eh bien, c'est par exemple de ne pas pouvoir les supprimer, par exemple. Et du coup, on peut faire un unlock slice ou un unlock all slice. Donc, ça déverrouille tous les slices ou on peut verrouiller tous nos slices. Donc là, si vous voulez, on a vu toutes les fonctions principales du slicer. Alors, je ne vous ai pas parlé, mais on a hein, bien sûr le pattern qui va avec ici, si je pouvais dire. Donc, si je mets play... J'ai un pattern. Alors, une fois que j'ai fait mon découpage, hein, tous mes réglages, je peux cliquer soit sur Done, qui va confirmer eh bien, le processing de slicing, soit Cancel pour annuler. Donc, on va faire Done. Et là, maintenant, je me retrouve avec mon pattern. Et mes slices sur mes différents pads. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, si je choisis une autre boucle, je vais pouvoir refaire le même travail, mais si je reviens sur ma boucle que j'ai slicée, eh bien regardez, cela a conservé mes réglages de slice et mon pattern. Revenons à nos boucles Rex, j'aimerais vous montrer encore quelque chose. Si je désélectionne ici l'autoload, eh bien je vais avoir des fonctions supplémentaires dans mon slicing, je vais pouvoir exporter l'audio, c'est-à-dire les slices plus le pattern, ou juste l'audio, c'est-à-dire les pads sur les keys, les slices sur les pads, pardon, ou que le pattern, ici. Donc par exemple, si je choisis audio, eh bien j'ai maintenant uniquement les slices, je fais down. Donc là, ça m'a conservé mon précédent pattern, mais joué avec mes nouveaux slices. Vous voyez la différence. Si je reviens ici, alors toujours sans l'autoload, je vais prendre une autre boucle.
celle-ci, eh bien, je vais dire, je veux uniquement extraire le pattern. Je fais down. Et là, j'ai mes anciens samples, mais avec ce nouveau pattern que j'ai exporté. Enfin, on peut exporter l'audio, c'est-à-dire les slices, plus le pattern. Ça revient à avoir l'autoload d'activer. Alors, pourquoi il y a cette fonction ? Bien, si vous n'avez pas choisi l'autoload, on peut toujours avoir la possibilité d'exporter l'audio et son pattern. Vous savez tout sur le slicer de Geist 2. J'aimerais maintenant vous montrer plusieurs fonctionnalités importantes au niveau, si vous voulez, de la création de kit ou du chargement de son sur les pads, etc. Alors, on va aller dans Geist Factory, on va aller dans Preset, on va aller dans Kit, on va prendre un drum kit et on va prendre celui-ci. Donc là, si vous avez l'autoload, eh bien, le kit va automatiquement se charger sur les pads. Ça, on l'avait déjà vu en parlant du browser. Maintenant, que se passe-t-il si je sélectionne un autre kit ? Eh bien, vous voyez que tous mes pads sont remplacés par les sons de ce deuxième kit. Alors, revenons sur le premier kit et j'ai, on va dire, les quatre premiers pads, ici pour le kick, qui m'intéressent énormément. Par contre, mes snares et le reste ne m'intéresse pas forcément. Et j'aimerais les charger depuis d'autres kits, sans remplacer ces quatre-là. Et bien, comment je fais ? Je sélectionne un pad, je fais un clic droit, et je fais « Lock pad ». Donc, vous voyez que j'ai un petit verrou ici. Je peux faire pareil ici. « Lock pad ».« Lock pad ». Et « Lock pad ». Donc, maintenant, je vais changer de kit. Eh bien, regardez ce qu'il se passe. Tout a été remplacé, sauf mes quatre pads verrouillés. Alors maintenant, j'aime bien ces quatre-là. Donc, je fais avec Shift, hein, premier et quatrième, et clic droit. Et je fais Lock Pad. J'ai mes quatre-là qui sont verrouillés, plus les quatre que j'avais verrouillés précédemment. Et si je change de kit, eh bien, tous seront remplacés, sauf mes huit pads verrouillés. Donc ça, c'est intéressant pour se créer ses propres kits suivant différents, on va dire, kits ici. Alors, revenons un étage en arrière, deux étages, trois étages même, et on va aller dans Hit. Donc ici, je vais aller dans Hi-Hat. Et là, ici, c'est des one-shots, des samples one-shots. Donc pour remplacer, je peux faire tout simplement... Donc pour remplacer, avec toujours l'autoload, eh bien, j'ai mon pad ici, et je sélectionne mon sample. Je prends ce pad-là, hop, celui-ci, et celui-ci. Donc ça, c'est aussi une autre manière de venir compléter ou personnaliser ces kits. Et bien sûr, nous avons toujours l'Undo, ici, je vous rappelle, qui permet eh bien, de supprimer la dernière opération qu'on vient de faire, ou encore celle d'avant, etc. Comme ceci. Ok, alors j'aimerais verrouiller... Vous voyez, c'est 5 pads, donc je les sélectionne avec Shift, je fais un clic droit, je fais Lock Pad. Et maintenant, pour supprimer ces 3 pads, eh bien, c'est tout simple, on clique sur un pad et on fait Clear All Pad. Donc ça vide tous mes pads qui ne sont pas verrouillés. Donc là, j'ai mon Hi-Hat, je vais prendre soin de désélectionner Autoload et je vais choisir une snare avec Alt appuyé. Et je double-clique. Et bien, regardez ce qu'il s'est passé. Là, j'ai deux petits carrés. Et bien, ce pad déclenche mon hi-hat et ma snare. Alors, je pourrais rajouter un troisième. Un kick. Soyons fous. Celui-ci, je le sélectionne. Alt. Et je double-clique. Et là, j'ai mes trois samples, ce qu'on appelle des layers, des couches, sur mon même pad. Et je peux aller comme ceci jusqu'à 8. Donc je vous laisse imaginer, on peut vraiment se créer des choses super originales.
Allez, un petit FX. Trace. Hop. Donc ça, c'est pour layerer, pour faire des multicouches par pad. Sur mon clavier Maître MIDI, j'ai des pads et ils déclenchent les notes correspondantes au pad de Geist 2. Ça, on verra comment y configurer. Vous voyez, je suis en mode ici normal, pad input mode. Là, premier pad, je déclenche mon pad ici, deuxième ici, troisième, quatrième. Chaque pad, si vous voulez, correspond à une note MIDI. Ça peut être C1, C dièse 1, Ré 1, Ré dièse 1, etc. sur un canal MIDI précis. Ça, on le verra ici un peu plus tard. Passons maintenant au mode chromatique. Alors là, c'est différent, vous voyez. On a plus 0 ST. Alors, ST, ça veut dire des demi-tons. En anglais, c'est semi-tone, demi-ton. Donc là, c'est 0 demi-ton. Là, c'est 1 demi-ton, 2, 3. Donc en fait, c'est le même sample, mais pitché, c'est-à-dire accordé, à chaque fois avec un demi-ton supplémentaire. Donc là, c'est à la hauteur normale. Et vous voyez, mon kick sonne de plus en plus aigu. Et ensuite, on continue sur la banque B. Là, j'ai par exemple plus 24 demi-tons, ça correspond à 2 octaves. Et on peut monter encore très haut, hein. Alors, ça sera vraiment très utile, par exemple, quand on a plutôt un sample type instrument. Tout type d'instrument, un synthé, des cuivres, etc. On pourra, comme ceci, jouer, si vous voulez, de l'instrument chromatiquement. Mais cela peut également servir pour accorder ses drums. Alors, si je reviens en mode normal et que je sélectionne mon autre kick sur le quatrième pad, je peux repasser en mode chromatique. Et là, c'est ce sample qui va être pitché. Alors, ensuite, on a le mode velocity. Et là, qui va permettre, pareil, d'avoir différentes vélocités. Alors, les vélocités, je vous rappelle, c'est la force avec laquelle on joue un sample. Et donc, sur mon pad player, par exemple, sur mon pad, si j'appuie doucement, j'ai une petite vélocité. Donc là, si vous voulez, sur mon clavier Maître MIDI, au niveau de mes pads, j'ai mon premier pad, c'est 0,7, 0,15, 0,23, 0,30. Là, je tape en changeant de pad. Donc j'ai différentes vélocités et on va bien sûr jusqu'à 127. Ici. C'est le maximum, si vous voulez, de vélocité. Troisième mode, alors vous allez voir, il est différent, c'est le Engine M plus S. Alors M voulant dire mute et S solo. Donc là, on va avoir les 8 premiers pads qui servent à mettre en mute les engines. On n'en a pas encore parlé, mais vous voyez, là, je mute l'engine 1, engine 2, 3, 4 et jusqu'à 8. Donc, on peut démuter et on peut se servir, encore une fois, de ces pads physiques sur son contrôleur MIDI ou son clavier Maître MIDI pour démuter. Les 8 pads suivants vont servir à mettre en solo une engine. Un moteur, on peut en mettre plusieurs en solo. Donc ça peut servir en configuration live, par exemple, eh bien pour muter certains moteurs et puis démuter ou mettre en solo certains moteurs. Le quatrième mode, c'est le mode sampler, mais là, je vous en parlerai quand on parlera du sampler directement. Donc je ne vais pas vous montrer ce mode-là. Alors, regardons ensuite ce qu'il y a à droite. Bon, ça, on l'a vu, hein, on voit la banque A, donc les 16 premiers pads, les 16 suivants, 16 suivants, 16 suivants. Mais on peut aussi voir tous les pads, donc les 64 pads dans la même fenêtre. Ça peut être intéressant, hein, pour avoir une vue globale de ce que l'on a, de charger ou pas. Alors, ensuite, ici, on a pad sélection follow MIDI. Donc là, c'est sur on.
Si je joue mon premier pad, vous voyez ici, si je joue le deuxième, je change de pad, etc. Si je désactive cette fonction, donc là je joue mon premier pad, si je joue le deuxième, vous voyez que c'est toujours mon premier pad qui reste en sélection, même si je joue le deuxième, ou le troisième, ou le quatrième. Et pareil pour le reste de la mesure, par exemple au niveau du sampler, ici on voit bien qu'on garde ici. Tandis que si je réactive ce mode, là on change de sample, donc ça se met à jour. L'icône suivant, et pareil on le verra quand on parlera de configuration de type de jeu et de jeu en live par exemple, on verra qu'on peut, grâce au pad, eh bien, et avec cette fonction activée, quand on lit un pattern, eh bien, faire un erase, ce qu'on appelle un erase, c'est-à-dire supprimer un pad en direct en le sélectionnant en mode lecture de pattern. Donc ça, on le reverra plus tard. Alors ensuite, on a le mode pad repeat. Donc là, si j'actionne repeat et que je joue sur mon pad, il est répété tant que je laisse appuyer sur mon pad, et il est répété suivant, vous voyez, un timing, et c'est une valeur musicale. Un 16, c'est à la double croche. Donc 4 double croches par temps. Mais je peux passer à un 8, à la croche. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Et bien sûr, on a toutes les valeurs intermédiaires et on a également les valeurs ternaires si je veux des croches ternaires. Par exemple, 1, 16. Et là, c'est synchronisé par rapport à la division. Ensuite, on a une fonction très utilisée si vous êtes utilisateur de MPC, par exemple, c'est le full level. Donc, en actionnant cette icône, là, on n'a plus du tout de vélocité, on est à un maximum de vélocité, quel que soit le sample que l'on joue. Donc, vélocité 127, maximum. Alors là, je suis en mode repeat, mais je peux quitter le mode repeat, c'est la même chose que je tape doucement ou fort sur mon pad. J'ai toujours la même vélocité, donc le même volume. Et là, le full est réglé sur la valeur maximale 128, mais je pourrais dire je veux un full level aller à 76. Donc là, que je joue fort ou doucement, j'ai toujours une vélocité de 76 sur chacun de mes pads. On peut régler à 49. Donc, réglage de le maximum de vélocité. Alors, bien sûr, on a le clic droit qui va permettre tout un tas d'opérations comme copier un pad. Je vais le copier ici. Copy-paste. On a possibilité de copier avec la track, ça on le verra plus tard, on a le clear all pad, ça on l'a vu, le lock pad on l'a vu, on peut faire un unlock pour tous les pads. On peut également faire un lock track et pad, on peut renommer un pad, ça c'est important aussi. Hein. Par exemple, pour vous y retrouver. Alors on peut faire un swap pad tout. Donc là, vous voyez, je suis sur le pad 1, et eh bien je vais passer aller en pad 5. Hop. Et j'ai, si vous voulez, inversé les deux pads. On peut faire un copy pad à tout. Donc pour éviter, allez, je veux copier ce pad sur le 16, où il n'y a rien. Hop, directement. J'ai ma copie ici, plutôt que de faire copier-coller. On a essayé de bouger un pad. Donc là, je suis sur le pad 5. Je veux en pad 4. Eh bien, je vais le bouger en pad 4. Mais vous voyez, ça n'a pas remplacé le pad 5 par le pad 4. C'est juste un déplacement. On peut faire un clone pad. Donc, upward, c'est en dessus. C'est-à-dire en dessus du pad sélectionné. Alors je vais faire un undo. Je vais sélectionner ce hi-hat et je peux faire un clone pad, mais
en dessous. Undo. Et je peux faire un clone pad centré. Donc là, tout ce qui est en dessus est en dessous. Commande Z pour annuler. Hein, vous voyez l'undo, hein, on peut faire un raccourci clavier, commande Z. Alors ensuite, j'ai la possibilité de copier les samples avec les layers, ouvrir le dossier parent dans le browser, le voir dans le Finder, sauvegarder le layer et mettre une couleur. Donc vous voyez, on a un label de couleur ici. Ça peut être intéressant toujours si on doit jouer en live, eh bien, d'avoir un visuel par code couleur. Voilà, vous savez tout sur les fonctions des pads et les fonctions ici. J'ai chargé un kit avec un pattern et j'aimerais continuer et vous montrer le transmode qu'on a ici et la barre du bas avec l'enveloppe d'amplitude, la free enveloppe, vélocité, random, les slots de 1 jusqu'à 16, les macro-commandes de 1 à 4, et puis la mud wheel, le pitch wheel, la pressure et le transport. Alors, ce que je vais faire, je vais choisir un pad. Je vais prendre la snare 2. Ici, donc je la sélectionne, je vais la mettre en solo. Donc, vous voyez qu'elle est sélectionnée ici. Et j'aimerais pour l'instant lui attribuer eh bien, la free envelope. Donc je la sélectionne. Ici, je me mets sur l'active pad et layer. Et là, je peux soit dessiner ma free envelope graphiquement, soit ici. Alors là, je vais cliquer sur le F ici pour visualiser la free enveloppe. Donc vous voyez qu'on peut graphiquement, comme ceci, la dessiner. Voilà, alors je vais zoomer. Et là, je peux dessiner mon enveloppe. Alors, je pourrais retarder l'attaque si je voulais. Donc on a l'attaque, on a le decay. On a le hold, le maintien, voyez. Le sustain et le release. Donc ça, c'est pour le réglage de l'enveloppe, mais vous voyez que au niveau sonore, il ne se passe rien parce qu'il faut que j'attribue cette enveloppe. Et bien, par exemple, on pourrait prendre un filtre. Si, donc je vais activer le cutoff. Je vais le régler. Voilà, et pour appliquer mon enveloppe, vous voyez, je vais ici venir régler ce point-là. Donc là, j'ai une ouverture de filtre suivant mon enveloppe. On va mettre de la résonance et pareil moduler ma résonance toujours avec ma free enveloppe. Pareil pour le drive et inverser
Donc ça, c'est la free enveloppe. Alors, je pourrais sélectionner l'enveloppe d'amplitude. Je vais la sélectionner ici. Donc, je la vois en haut. Alors, je peux ne plus visualiser ma free enveloppe si je veux. Et ça va se passer ici. Donc, je pourrais, pourquoi pas, attribuer ça au panoramique. Donc, il faut bien la sélectionner ici. Voilà, et là maintenant il me reste à dessiner mon enveloppe. Ou à la régler ici. Voilà, donc vous avez vu hein, les courbes ici qu'on appelle curves, ça se règle ici là. On a la courbe ici pour l'attaque. Voici comment créer une enveloppe. Hein, la free enveloppe, on la sélectionne ici. On peut la visualiser ici et la régler graphiquement ou avec les boutons d'attaque, decay, hold, sustain et release, les courbes. Et si on choisit ici, on va avoir l'enveloppe d'amplitude qu'on choisit ici et qu'on peut régler là. OK. Ensuite, on assigne bien sûr chacune de ces enveloppes à un filtre par exemple ou au mix ici au panoramique. Alors maintenant, on a aussi la possibilité d'utiliser le transmode. Donc ce sont les slots ici de 1 à 16. Alors vous voyez qu'on a le browser, on clique sur transmode. Donc on a nos slots de 1 à 16. Alors je vais prendre le premier slot, je clique et vous voyez qu'on peut comme source avoir un LFO, un morphing LFO, un sample and hold, une enveloppe AD, un mini séquenceur, un mask, ça c'est complètement fou, constant et un bouncing ball. Alors je vais prendre pour l'instant un LFO par exemple. Donc là on va avoir nos réglages de LFO comme la fréquence, alors en valeur musicale quand c'est synchronisé ici, ou en hertz, le décalage de la phase, vous voyez on va partir d'un autre endroit de la forme d'onde que son départ, et le gain. Alors je vais resynchroniser, on va se mettre par exemple ceci. Et ensuite, eh bien, il faut assigner, vous voyez, ce LFO choisi ici à un paramètre, comme tout à l'heure. Allez, assignons ça au volume. Donc toujours de notre pad layer snare 2. Donc là, j'ai un faible volume et je vais moduler avec mon LFO. Voilà. Là, je change le rate, hein, la fréquence, la vitesse. Décalage de la phase, le gain. Donc là, j'ai des formes d'ondes. Hein. Là, je suis en sinusoïde, mais je pourrais prendre, je sais pas, une saw-up. Une square. Triangle. Donc après, il y a des formes d'ondes un petit peu différentes. Une sine inversée. On a la saw-down. Arc sine, arc cos,
et Noise. Alors, vous voyez, hein, moi, depuis le départ, là, ce que j'aime pas trop, c'est le fait de pouvoir choper les points, là. C'est pas si simple. C'est un peu énervant au départ. Je peux enlever le solo. Ah, j'avais baissé mon volume master. Je suis sur l'engine 1 et bientôt on va pouvoir appliquer quelque chose au global mixer aussi, par exemple. Donc je vais prendre le slot 2, on va prendre aller un morphing LFO. Donc là, vous voyez qu'on est en MLFO, Morphing LFO. Et pourquoi pas appliquer ça au pan ou peut-être au pitch, ça peut être marrant. Voilà, et donc là on peut régler, hein. Donc là vous voyez qu'on voit nos éléments auxquels appliquer le morphing LFO. Là je suis sur la snare 2, mais on peut changer d'élément ici en cliquant directement là, hein. Choisir d'ailleurs les engines. Un bouton de swing, c'est intéressant. Un shape, vous voyez, pour shaper, pour filtrer en quelque sorte la forme d'onde. Donc là, je vais enlever le solo, hein, c'est sur. Donc là, c'est sur tout le pattern. Donc c'est assez fou hein, parce qu'on peut tout faire moduler et on a 16 slots, ce qui n'est pas rien, quand même 16 modulations, c'est plutôt pas mal, plus l'enveloppe d'amplitude, la free envelope. Une autre fonction moi, que j'aime beaucoup, ce sont les probabilités. Alors par exemple, les probabilités de jeu. Alors comment est-ce qu'on fait? On peut soit sélectionner chaque pad et ouvrir ici, vous voyez qu'on a un menu. Comme les vélocités, pan, etc. Et dans playback, on a probabilité. Mais on peut aussi utiliser une autre fonction avec le mode single ici pour avoir le graphe, single graph. Donc dès qu'on sélectionne un pattern, vous voyez que mon kick, il a ici des vélocités, mais je vais venir ici faire playback et probability. Et là, ce sont les probabilités de jeu. Alors si je m'amuse à mettre en solo. Eh bien, je vais déterminer des probabilités de jeu. Vous voyez que ça ne me joue pas tout. Après, on peut déterminer les probabilités individuelles. Et après, je peux faire pareil avec d'autres éléments. Hein. Ma snare 2 tout à l'heure. Je viens ici, playback, probability. Je pourrais faire ça sur mes hi-hats, par exemple, aussi.
Donc ça va créer du mouvement au jeu du pattern. Donc ça, c'est assez intéressant comme méthode pour faire évoluer vos patterns, votre jeu. Très bien, j'aimerais maintenant vous parler du zoom. Alors, je vais agrandir ici. Vous voyez que j'ai une loupe qui tourne, qui a été slicée. Hein, donc, mon premier pad ici. Sur mon deuxième, j'ai celui-là. Troisième, quatrième, etc. Et pour zoomer, eh bien, on a plusieurs possibilités. On peut le faire comme vous l'avez vu tout à l'heure quand je vous ai parlé des enveloppes avec le plus et le moins ici. Donc, par exemple, si je fais plus, voilà, je zoome, je reviens là, j'ai un zoom sur mon pad, mais vous voyez que si je reviens sur les autres pads, je n'ai pas ce zoom. Mais je conserve le zoom ici. La deuxième possibilité, c'est ici, cette icône, qui généralement, normalement, est par défaut, c'est l'auto-zoom. Donc là, dès qu'on sélectionne un pad, ça zoome de son point d'entrée à son point de sortie. Ensuite, on a ici le zoom sur le point de départ du sample. Hop, j'ai mon point de départ ici. J'ai mon point de départ. Donc ça, ça peut être pratique pour faire, pour affiner des réglages, hein, par exemple. L'icône suivante, eh bien, c'est le zoom sur le point de fin du sample. Ah, je pourrais, comme ceci, m'amuser à régler un point de fin bien avant. Et puis, donc, on a le moins pour dézoomer et le plus pour zoomer. Et enfin, l'icône qui n'est pas par défaut normalement, mais que j'avais mis, moi, c'est No Automatic Zoom avec cette icône. Donc là, on voit notre loop entière et on voit les slices, hein, les découpages sur les pads. Hop, zoom automatique.
Ok, j'aimerais vous montrer une autre fonction que je trouve très intéressante, c'est le fait de ressembler en interne. Alors, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Donc là, vous voyez que j'ai mon engine 1. Sur mon engine 2, j'ai quelque chose. 3 aussi, 4 aussi, 5 aussi, 6 aussi. Le 7, il est vide. Et le 8, il est vide. Donc, on va prendre le 8 pour ressembler tout ce qu'on a ici en interne. Alors, pour ce faire, donc, je sélectionne mon engine 8. Je viens ici et je vais me mettre en mode sampler. Alors, je vais sampler ici le master, sortie master. Ici, je vais me mettre en host. Ici, je vais passer en next pad pour sélectionner à chaque fois un pad. Alors, je sélectionne ici en bit. Je veux, par exemple, 0 mesure et un temps. Ça va sampler tous les temps. Je vais armer rec, je fais play. Et là, vous voyez, ça me capture. Ça me sample en interne, sur tous mes pads. Et je fais stop. Donc là maintenant, je vais me mettre en solo sur mon engine 8. Et là, je peux m'amuser à programmer, hein. Dupliquer, puis faire des variations. C'est très intéressant ça. Donc je le répète, hein, vous choisissez une engine vide. Alors si elle n'est pas vide, vous pouvez faire un clic droit et faire Reset Engine. Vous sélectionnez votre engine. Vous allez ici, vous passez en mode sampler. Vous vérifiez bien que vous êtes sur le master, en mode host. Choisir Next Pad. Ici, le nombre de bits, donc ça peut être aussi, vous pouvez capturer par mesure ou par deux temps, trois temps, ce que vous voulez. Hein. J'ai oublié de vous le dire, mais vous vérifiez bien que vous êtes en stéréo aussi. Et puis, vous avez juste à armer et lancer l'enregistrement et lancer la lecture et ça va ressembler eh bien, vos autres engines. Ici.
Donc après, une fois que vous avez ressemblé ça, vous repassez en mode normal, hein, ça c'est important, et vous construisez ici votre nouveau pattern. Très bien, alors j'ai chargé un preset. Je suis sur mon engine Kick ici et je vais faire quelque chose. Je vais assigner déjà ce graph rec ici. Alors pour ce faire, on clique sur cette icône Enable MIDI, on sélectionne bien graph rec et je bouge le bouton de mon contrôleur. Je désélectionne et là, c'est assigné. Maintenant, eh bien, par exemple, pour mon kick ici, je vais passer en filter, filter cutoff. Donc, je vais activer mon cutoff ici et je vais enregistrer ce mouvement directement. Et je bouge mon bouton. Je stoppe, alors je vais mettre en solo et là mon cutoff a été enregistré ici. Ici. Donc on voit bien ici la modulation. Alors bien sûr, si je rajoutais des kicks, ça suivrait mon cutoff.